Merci, merci beaucoup. En tout cas, pour commencer, la coalition internationale des collectifs de sans-papiers remercie nos camarades du parti de gauche luxembourgeois de cet accueil chaleureux, fraternel et exceptionnel, parce que vous avez tous remarqué hier, tout le monde a ronflé, donc il faut remercier les camarades. Alors, ce qui est de la marche européenne, nous l'avons dit à Bruxelles, on va répéter ici aussi que la marche européenne, l'idée est venue de la marche de Paris à Nice en 2010, où 67 chefs d'État avaient donné rendez-vous à M. Sarkozy, à l'époque président de la République française, pour fêter les cinquantenaires de l'indépendance des 14 pays colonisés par la France. Alors, nous, on a marché, on est arrivé, on a trouvé nos chefs d'État présents à Nice, grâce aux Européens, grâce aux médias. Et je le répète, hein, c'est grâce aux médias européens que moi, j'ai réussi à rentrer en conférence de presse avec Sarkozy et quatre présidents africains pour voir leur conférence de presse. Et ensuite, nos chefs d'État ont refusé de nous écouter. Donc, c'est en ce moment-là qu'on a pris la décision de faire la marche à l'échelle européenne. Pourquoi au niveau européen? La camarade vient de le dire, la directive de la honte a été votée par l'ensemble des pays européens. Donc l'entrée et le séjour des migrants à l'échelle européenne se décide à Bruxelles et à Strasbourg. Donc c'est pour ça que nous avons décidé ensemble de faire cette marche-là, qui est partie du 2 juin à Bruxelles et qui se terminera le 2 juillet à Strasbourg pour demander aux députés européens une harmonisation par le bas. Par le bas, ça veut dire que les pays que nous allons traverser, on va comprendre l'entrée et le séjour d'un pays à un autre et ensuite demander une harmonisation par le bas. Alors, nous sommes à peu près au nombre de 130 sans-papiers de toute l'Europe confondus, mais de 25 nationalités et tous les continents sont représentés, mais en grande majorité ouest-africains. Voilà, parce qu'il y a des demandes en ce sens-là. Donc, je le répète, nous sommes 130 marcheurs sans-papiers européens qui sont venus de la France, de l'Italie, de la Suisse, de l'Allemagne, de la Belgique. Et nous sommes de 25 nationalités. Tous les continents sont représentés, en grande majorité ouest-africains. Alors, cette marche a vocation aussi, parce que c'est une première à l'échelle européenne, de viser les symboles. Les symboles pour nous, ça passe par Bruxelles, Strasbourg, Schengen, Maastricht et aussi Luxembourg pour la juridiction. Donc, si nous avons choisi ces étapes-là, c'est pour aussi faire passer le message auprès de la population européenne que l'immigration a toujours été une chance pour l'Europe et ça restera une chance pour l'Europe. Regardez les États-Unis, qui est la première puissance mondiale aujourd'hui. Elle est composée que de migrés. Donc, nous sommes là pour faire passer ce message qu'aujourd'hui, 50 ans de politique d'immigration, ça a été un échec, ça n'a pas marché, donc il faut changer. Aujourd'hui, la France dépense plus de 4 milliards d'euros pour expulser les sans-papiers hors de son territoire. L'Europe, en gros, une cinquantaine de milliards d'euros est dépensée chaque année pour expulser les gens chez eux et qui reviennent 2 ou 3 mois après. C'est du gâchis. Ça, c'est une perte. Il faut revoir la politique d'immigration à l'échelle européenne. Donc, un changement s'impose à l'Europe pour une nouvelle politique d'immigration. Et en même temps, nous exigerons, nous demanderons à l'Europe la régularisation globale de tous les sans-papiers. Puisque aujourd'hui, tout le monde est conscient que la question de l'immigration a été traitée sous tous les paramètres. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la liberté de circulation. Parce que les Européens, ils ont la liberté d'aller chez nous. Ils ont la liberté d'aller chez nous facilement. Et nous, on n'a pas cette liberté de venir ici. Même les universitaires, ceux qui côtoient les mêmes classes qu'eux, en Europe, n'ont pas cette liberté-là. Donc, nous voulons que ça change. Donc, l'objectif de cette marche-là aussi, c'est de porter ce message-là auprès de la population
européenne pour dire qu'il est temps, après 50 ans de politique d'immigration, que ça change. En tout cas, je ne suis pas le seul, on est 5 personnes à se relayer sur le plateau, donc je laisserai la parole aux camarades. Mais en tout cas, nous remercions les camarades luxembourgeois de cet accueil chaleureux et fraternel. Merci.